Comment cuire l'aubergine avec le vitaliseur de Marion? Tout d'abord, avant chaque début de cuisson, il vous faut enlever le couvercle du vitaliseur, puis le panier et remplir la cuve du vitaliseur avec de l'eau. Une fois que vous avez rempli la cuve du vitaliseur avec un tiers d'eau, vous pouvez remettre le couvercle et mettre à chauffer l'eau. Et si vous êtes intéressé pour acquérir le vitaliseur de Marion, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour obtenir un code promo. Vous avez l'adresse mail juste en dessous, neonaturo@gmail.com. On passe à la suite. Maintenant, on va faire cuire un légume et ce sera une aubergine blanche. Alors encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit d'enlever la partie supérieure, puis de couper l'aubergine en deux dans le sens de la longueur. Et voilà, ce sera tout pour la préparation. Maintenant, on va disposer les deux moitiés dans le panier du vitaliseur. C'est tout pour la préparation. Maintenant, il suffit de mettre le panier du vitaliseur sur la cuve où l'eau est chaude. Et c'est parti! On se retrouve dans 10 minutes. On se retrouve 10 minutes plus tard et l'aubergine est prête. Et une fois que l'aubergine est cuite au vitaliseur, environ 10 minutes ou une dizaine de minutes selon la taille de l'aubergine, vous allez voir qu'il est très simple de prélever la chair tout simplement avec une cuillère. Vous voyez, elle s'enlève toute seule. Et comme ceci, plus besoin de peler vos aubergines.